International, la guerre entre les deux hommes se poursuit. Ce samedi soir, Donald Trump scène est pris à la pièce de théâtre de Michael Moore, à l'affiche depuis le 28 juillet dernier. Dans un tweet, le président américain laisse entendre que la pièce est un flop total, et que celle-ci a dû être annulée. Triste, conclut-il ironiquement. Bien que Donald Trump adore dénoncer les fake news à son encontre, il se trouve que son tweet en est un. Le site américain Playbill souligne que dès le départ, les représentations de la pièce The Term of My Surrender étaient prévues pour être jouées sur une courte durée, jusqu'au 22 octobre dernier, car l'emploi du temps de son metteur en scène ne permettait pas de la prolonger. Celui-ci travaille en effet sur une nouvelle série télévisée et son nouveau film. En outre, la pièce fait salle comble, et Michael Moore a annoncé cette semaine qu'il entreprendrait une tournée à travers les États-Unis en 2018. While not at all presidential, he must point out that the sloppy Michael Moore show on Broadway was a total bomb and was forced to close. Sad, Donald J. Trump @real Donald Trump 28 octobre 2017 10 en Broadway, Donald, the acolyte a limited engagement just like we're planning on making your presidency, Michael Moore @mmflint 29 octobre 2017 Michael Moore n'a pas manqué de souligner l'incompétence de Trump, dans une série de tweets où il incendie le président américain. Vous avez dû confondre le succès fracassant de ma pièce à Broadway avec votre présidence qui est un flop total et qui finira plus tôt que prévu. C'est honest pas triste, commence-t-il par répondre. Puis, le réalisateur et metteur en scène évoque la mort d'Américains sur le sol afghan, accusant Trump de ne même pas être au courant. Il en profite également pour critiquer les tweets du président dans leur globalité. Ils disent que Twitter vous distrait de votre fonction présidentielle. Mais Twitter est votre fonction presidentielle, c'est tout ce que vous savez faire. Loser. Un you must have my smash it off à Broadway show confused with your presidency which is a total bomb and will indeed close early. Not sad https://courgixgzwwvk, Michael Moore @mmflint 29 octobre 2017 de Today, un US service member was killed si s'injurait dit nour never ending war in Afghanistan. You, our president, are not even aware of this, Michael Moore @mmflint 29 octobre 2017 6 they say Twitter distracts you from your presidency. But Twitter is your presidency, it's all you know how to do. Loser, Michael Moore @mmflint 29 octobre 2017 En août dernier, Michael Moore, fervent anti-Trump, avait participé à une manifestation devant la Trump Tower à New York, pour dénoncer le racisme et l'immobilisme du président américain après les violences de Charlottesville, qui ont coûté la vie à une jeune américaine. Lire aussi le plaidoyer de Michael Moore pour un monde sans Harvey. Michael Moore et des centaines de manifestants devant la Trump Tower pour dénoncer le racisme. Michael Moore soutient une pièce de théâtre qui met en scène l'assassinat de Trump pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost plus culture Donald Trump International. Michael Moore envoyait une correction.